le directeur de Leclerc met mal à l'aise un journaliste à propos de l'immigration. Nous avons besoin de migrants. La France, la démographie étant ce qu'elle est, nous avons besoin de migrants. Est-ce que vous dites la même chose ? Non. Pour remettre un peu de contexte, beaucoup de personnes, notamment à gauche et au centre, déclarent que l'immigration est importante, voire obligatoire, pour permettre une croissance économique. Alors cette théorie est en fait assez fumeuse et peut être démontée très facilement. Par exemple, aujourd'hui, la croissance des États-Unis est largement supérieure à celle de l'Europe. Pourtant, l'immigration aux États-Unis a largement chuté depuis l'arrivée de Donald Trump à la présidence. Le journaliste de LCI plutôt orienté va demander au directeur du groupe Leclerc si l'immigration est indispensable selon lui. Nous avons besoin de migrants. La France, la démographie étant ce qu'elle est, nous avons besoin de migrants. Est-ce que vous dites la même chose ? Nous, non, dans notre secteur, non. Non. Ça devient dingue parce que... Pardon, insistez bien là-dessus, qu'on comprenne bien. Vous dites dans votre secteur, il n'y a pas un besoin urgent de migration. Non. Il faut savoir en effet qu'il y a un taux de chômage en France aux alentours de 5%, donc il y a encore des personnes disponibles pour travailler. D'ailleurs, chez les moins de 30 ans, ce chiffre avoisine les 20% en fonction des origines, donc on peut pas dire que la main-d'œuvre n'est pas disponible, bien au contraire. Il y a donc un risque énorme d'augmenter le chômage si on augmente l'immigration, notamment pour de la main-d'œuvre peu qualifiée. Et donc cela impactera forcément la dette de la France, qui est déjà dans un état catastrophique grâce à notre ami Bruno Le Maire. Je voulais voir ça. Non, tu dégages ! Sinon je t'en colle une ! Jamais vu un mec comme toi ! T'es une merde ! Il faut savoir que Monsieur Leclerc est l'un des premiers dirigeants français à prendre position comme ça sur l'immigration, donc énorme courage à lui. La plupart des autres dirigeants se taisent en fait parce qu'ils n'ont pas envie de faire de drama sur les réseaux sociaux. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à liker ou à me soutenir sur Tipeee, ça m'aide énormément.